Buster. Voici Buster et Scout. Ils s'amusent beaucoup à jouer dans les flaques de boue. Mais... oh non! La pauvre Scout se sent un peu malade. Oh, ce n'est pas grave, ils peuvent peut-être jouer ensemble demain. Maintenant, Buster se dirige vers l'intérieur et va prendre un goûter. Mais... oh non! Il n'a pas lavé ses roues boueuses avant de manger cette pomme. Ce n'est pas très propre. Et il a laissé des traces de boue partout. Le lendemain matin, maman vient réveiller Buster. Mais non, Buster n'a pas l'air bien du tout. Pauvre Buster. Wow, il a de la fièvre. Il devra rester à la maison aujourd'hui pour pouvoir aller mieux. Maintenant, il est temps de prendre des médicaments. Buster n'aime pas ça, mais maman sait que ça va l'aider à aller mieux. Voilà, ce n'était pas si mal. Maintenant, Buster doit juste se reposer. Le lendemain matin, Buster se sent beaucoup mieux. Scout se sent mieux aussi. Ils peuvent aller dehors et jouer à nouveau. Mais attends, maman dit qu'ils doivent d'abord se laver les mains pour ne pas tomber malade. Bon travail tout le monde. Attends, maman a une autre idée. Ils peuvent aussi porter ces masques pour les protéger des microbes. Voilà, maintenant, Buster et Scout sont prêts à jouer dehors en toute sécurité. Ils sont si heureux maintenant qu'ils se sentent à nouveau bien. C'est une belle journée et il est temps pour Buster d'aller à l'école. Voilà du coup, ils peuvent aller à l'école ensemble. Ils vont faire la course pour aller à l'école. Wouhou! Je me demande qui sera le plus rapide. Wow! Il y a un petit canard sur la route. Il devrait être plus prudent. Il y a une maman canard. Elle essaie de traverser la route avec tous ses canetons. Mais attention, voilà Terry. Et voici aussi le professeur. Oh non! Ouf! Grâce à Diggly et Buster, la famille de canards peut traverser la route en toute sécurité. Oh, ils vont nager dans cet étang. Oh oh! Ce petit canard retourne sur la route. Bon travail, Buster. Maintenant, les canards retournent tous sur la route. Buster et Diggly les aident à traverser la route en toute sécurité. Maman canard traverse aussi. Bravo à tous pour votre aide. Mais Terry et le professeur veulent se mettre en route, sinon ils seront en retard. Attendez une minute, je crois que Buster a une idée. Que font-ils avec ces peintures? Des rayures blanches? Et ces panneaux? C'est un croisement de canards. Maintenant, la famille de canards peut traverser en toute sécurité quand elle le veut. Voilà encore le professeur. Il leur dit de se dépêcher. Les enfants feraient mieux d'aller à l'école ou ils vont être en retard. Bon travail tout le monde. C'est une belle journée enneigée et Buster est impatient de sortir jouer dehors. C'est tellement amusant de jouer dans la neige. Et le meilleur jeu de tous, c'est une bataille de boules de neige. Diggly et Scout forment une équipe. Mais Buster a besoin d'un coéquipier. Regarde, voilà Bandy. Il peut être dans l'équipe de Buster. Bien que Buster et Bandy ne s'entendent pas toujours. Il est temps de commencer à lancer des boules de neige. Buster et Bandy se cachent derrière cette colline. Buster pense qu'il devrait aller d'un côté, mais Bandy pense qu'il devrait aller de l'autre.
Oh non, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ils n'ont pas vraiment l'esprit d'équipe. Buster se faufile à travers les arbres, mais Scout l'a repéré. Attention! Splash! Oh non! Bandy se faufile derrière la clôture. Splash! Buster et Bandy ont un petit peu de mal. Mais regardez, Scout et Diggle ont l'esprit d'équipe. C'est ça! Si Buster et Bandy veulent gagner, ils devront travailler ensemble comme une équipe. Wouhou! C'est parti! C'est mieux comme ça. Maintenant, c'est une vraie bataille de boules de neige amusante. C'est beaucoup mieux avec un peu d'esprit d'équipe. Qui a lancé cette boule de neige? Grand-père! Eh bien, plus il y a de joueurs, plus c'est amusant. Regarde, voilà Scout. Et voilà Buster. Je crois qu'il joue au loup. Qu'est-ce que Buster a vu? Waouh! Un labyrinthe. Scout va à l'intérieur. Vas-y Buster, essaie de la trouver. Je me demande de quel côté Scout est parti. La voilà. Et ils partent, se faufilant dans le labyrinthe. Par où Buster doit-il aller maintenant? Par ici. Oh, regarde, une fleur jaune, comme c'est joli. Encore quelques tours et... Par où cette fois? Par ici. Attends une minute. C'est encore cette fleur. Buster a tourné en rond. Peut-être que s'il recule, il pourra trouver la sortie. Voilà Scout. Elle a l'air perdue aussi. Waouh! Buster et Scout se sont trouvés. Heureusement. Mais maintenant, ils doivent trouver la sortie. Scout est en équilibre sur le toit de Buster. Peut-être qu'elle peut voir une sortie? La voilà! Bon travail, Scout! Il se dirige à toute vitesse vers la sortie. Mais c'est par où? Oh, les pauvres! Ils sont toujours perdus dans le labyrinthe. Regardez! Des traces de pneus! Ils peuvent les suivre jusqu'à la sortie. Bien vu, Buster! Voilà encore cette fleur. Un peu plus loin et... Hourra! Ils ont réussi à sortir. Super travail d'équipe, les amis. Regarde, c'est Rita, la voiture de sport. Elle l'accélère dans le labyrinthe. Eh bien, je suppose que Buster et Scout vont devoir l'aider à trouver la sortie. C'est une journée très venteuse à la ferme. Je crois que Terry veut montrer quelque chose à Buster. Hey, c'est Monty, la montgolfière. C'est un vieil ami de Terry. Dis bonjour, Buster. Cela doit être si amusant de voler dans les airs comme un ballon. Mais... Oh oh, le vent se lève. J'espère que Monty ne va pas s'envoler. Oh non! La corde s'est cassée et maintenant le vent entraîne Monty dans les airs. Vite, Buster, tu dois le rattraper ou il va s'envoler trop loin. Oh, Monty est si haut, comment vas-tu le faire redescendre? Regarde, une corde! Je me demande à quoi pense Buster. Dépêchez-vous, vous devez rattraper Monty. Que va faire Buster? Oh, bien sûr, un lasso! En avant, cow-boy! Ah, presque! Mais Monty est toujours dans les airs. Il doit y avoir un moyen de sauver Monty. Qu'est-ce qu'a vu Buster? C'est Iggy, le camion de glace avec plein de ballons. Je crois deviner ce que Buster a en tête. Regarde, Buster a attaché tous les ballons sur lui et maintenant il s'envole dans le ciel. C'est parti, tu peux le faire, Buster. Attrape Monty. Presque. 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 Ah, enfin. Bien joué, Buster. Tu l'as sauvé.
Monty est si reconnaissant. Ah, Monty est bien attaché et en sécurité désormais. Il ne va plus s'envoler dans les airs comme ce ballon. Bon travail, Buster. Bonjour, Buster. Waouh, regarde toute cette glu verte effrayante. Tu en mets partout. Regarde cet érythracteur. Je ne crois pas qu'il ait très envie d'être couvert de glu. Regarde comme il est prudent. Zoom! Attends, regarde devant toi, Buster. Tu te diriges droit sur tes roues. C'était moins une. Attention, Buster. Oh mince, tu éclaboustéris de glu. Je ne crois pas qu'il soit très content. Et hop, Buster repart, en s'amusant de nouveau dans la glu verte. Attention! Oh non! Buster est coincé dans la glu collante. Oh mince, il est vraiment bien coincé. Le soleil se couche et il commence à faire nuit. Oh, effrayant. J'espère que ça va aller pour Buster. Regardez tout le monde, cet érythracteur. Il vient pour le sauver. Terry n'a pas l'air très ravi de la situation. S'il te plaît, aide Buster, Terry. Il a besoin qu'on le pousse. Peut-il le faire? 1, 2... Et voilà! Hourra! Merci, Terry. Oh, Buster. Quelle chance que Terry Tracteur ait été là pour sauver Buster de la glu verte collante. Au revoir, Terry. Au revoir, Buster. Salut, Buster. Encore une belle journée pour s'amuser. Oh non, c'est Bandit le bus. Buster, attention, tu vas t'écraser. Attends, que se passe-t-il? Oh waouh, tu flottes dans les airs. C'est incroyable, Buster. Je me demande si tu peux voler. Oh waouh, tu es devenu un super-héros. Tu es si rapide. Super Buster est là, wouhou. Qu'est-ce que tu as vu, Buster? C'est Otis, la voiture de police. Je me demande ce qu'Otis cherche dans le tunnel. Attends, mais ce bandit le bus, que fait-il? Ça n'a pas l'air. Oh non, il a poussé le rocher du bord et bloqué Otis dans le tunnel. Tu dois le sauver, Buster. Tu ne peux pas laisser Bandit faire une chose pareille. Ce rocher a l'air très lourd, mais ne t'inquiète pas, Buster. Tu es un super-héros désormais. Tu peux le sauver. Oh, Buster, tes yeux! Waouh, tu as une vision laser! Bien joué, Buster, tu as libéré Otis. Maintenant, allons attraper ce vilain bandit le bus. Voilà, bandit, on dirait qu'il prépare déjà une autre bêtise. Scout, attention! Oh, pauvre Scout! Bandit, regarde qui est arrivé. Tu es en danger. Super, Buster est là. Buster, tu peux l'arrêter. Super Buster est trop fort pour Bandy, ça devrait l'arrêter. Super, maintenant Buster doit juste aider Scout à sortir de l'étang. Regardez Bandy, il est coincé maintenant. Oh, c'était juste dans tes pensées. Je ne crois pas que la maîtresse soit très contente, Buster. Hey, salut Buster. C'est un super poster de requin que tu as là. Oh, Buster a l'air très fatigué. Je me demande de quoi il va rêver. Qu'est-ce que ceci? Des nageoires et du corail? Oh waouh, Buster, je crois que tu es sous l'océan. Regarde Buster qui file. L'océan est sa nouvelle cour de récréation. N'est-ce pas magnifique? Vas-y Buster, saute dans le ciel, c'est si amusant. Attendez, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme poisson. Vite, Buster, cache-toi. Oh, regarde. Il n'est pas gros du tout, il est minuscule. Tout va bien, Buster, pas d'inquiétude. Mais qui est-ce? C'est Cham, le requin. Regarde toutes ses dents pointues. Cache-toi, Buster, vite. Oh non, Buster a fait vriller le petit poisson et le petit poisson se dirige tout droit vers le requin. Cham, le requin, a l'air d'avoir envie de se faire des amis. Mais on dirait que tout le monde a peur de lui.
Vite, petit poisson, cache-toi près de Buster. Attendez une seconde. Le requin est triste. Très triste. Tu sais, Buster, je pense que Cham se sent seul. Il essayait d'être gentil. Il n'a aucun ami. C'est exact, Buster. Va lui dire bonjour. Tu vois, il veut juste quelqu'un avec qui s'amuser. Buster et Cham s'amusent énormément. L'océan est un endroit merveilleux pour jouer au loup et se faire de nouveaux amis. Regarde-les. Oh ! Buster se réveille. Ce n'était qu'un rêve. Tu n'as plus de nageoire désormais, Buster. Tu es redevenu un bus. Quelle merveilleuse aventure aquatique. Hey, regarde ! C'est Buster le bus. Il passe une journée sur la plage. N'est-ce pas magnifique ? Oh non, Buster, tes roues sont coincées dans le sable. Cela ne faisait pas partie du plan. Regardez Digger, il n'est pas coincé grâce à ses roues à chenilles. Et qui est-ce ? C'est Sandy la mouette ! Je me demande si Sandy va pouvoir aider. Je crois qu'elle veut que tu la suives, Buster. C'est ça, Buster. Si tu bouges une roue à la fois, tu ne seras plus bloqué. Digger est en train de creuser un trou. Oh, attention, Buster. Qu'est-ce que c'est ? Un seau et une pelle ? Je crois que Sandy veut que tu l'aides à construire un château de sable. Juste un peu de sable. Retourne-le. Et voilà ! Un château de sable ! Bien joué, Buster ! N'est-il pas magnifique ? Bon travail ! Oh, waouh ! Le château de sable de Digger est génial ! Il est beaucoup plus grand que le tien ! Attention, Buster, regarde devant toi ! Attention au trou ! Au moins, Digger est là pour t'en faire sortir. Je crois que Digger est très fier de son magnifique château de sable. Oh non, Sandy, ne te pose pas là ! Tu vas détruire le château ! Je crois que Sandy ne réalise pas ce qu'elle fait. Oh non ! C'est juste une énorme pile de sable désormais. Et quel est ce bruit ? Une vague ! Attention les amis ! Oh, pauvre Digger ! Mais attendez, certains châteaux ne sont pas détruits. Le petit château de Buster est toujours là. Et désormais c'est le plus grand et le plus beau grâce à Sandy. Au revoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une belle journée à la plage. Hey, salut Buster. Qu'est-ce que c'est ? Un ballon de foot ? Oh regarde Buster, tous tes amis sont alignés pour faire une partie de football et ils ont besoin d'un autre joueur. Vas-y Buster, ça va être très amusant. C'est parti ! Ah, trop lent Buster. CJ, le mixeur de ciment, va essayer de marquer. Est-ce que Jessie Jeep peut le stopper ? Allez, Jessie, tu peux le faire ! Oh ! Presque ! Mais but ! Beau shoot, CJ ! Belle tête, Buster ! Quel tir, Scout ! Belle parade, Digger ! Scout a joué la balle de Digger ! Scout se précipite vers le but. Allez, Scout, tu peux le faire ! Personne ne peut la contrer ! But ! C'est ça, Scout, bravo ! Jessie à Scout ! Scout lance d'un coup de pied ! Super tir, Digger ! Passe à Bandy ! Oh, c'était un peu trop fort, Bandy ! Bandy va-t-il marquer ? Jessie peut-elle le contrer cette fois-ci ? Oh, non, Jessie a crevé le ballon ! Est-ce la fin de la partie ? Oh, mais non ! Regardez ! Otis a un autre ballon ! La partie reprend ! Tout semble s'accélérer désormais. Buster se dirige à toute allure vers le but. Oh non, Bandy, le bus a bousculé Buster. C'est une faute. Bon arbitrage, Robin. Bandy a pris un carton rouge et Robin l'envoie hors du terrain. Voilà ce qui se passe quand on joue trop brutalement. Hein ? Maintenant, Buster a le droit de tirer un pénalty. Allez, Buster ! But ! Tu l'as fait, Buster ! Tu as remporté le match et tu as gagné un beau trophée. C'était si amusant. Hey, salut Buster. Et salut Digger. C'est un grand château de sable que vous avez construit là. C'est Sandy la mouette.
Attention, Sandy, ne te mets pas sur le château où tu vas... Oh mince! Pauvre Digger et Buster, ils ont dû passer tellement de temps à construire ce château de sable. Oust, Sandy, envole-toi. As-tu vu, Buster? C'est une forme rouge qui sort du sol. Je me demande ce que c'est. Beau travail, Digger. C'est un triangle, n'est-ce pas super? Et regarde, Sandy a trouvé une forme jaune aussi. C'est un cercle. Peux-tu en trouver d'autres, Sandy? En voilà une autre. Celle-ci est bleue. Vite, sortons-la. C'est un carré. Il a quatre côtés. Waouh, il y a beaucoup de formes. Triangle, cercle, rectangle, hexagone. Sandy, attends, ne... Hein? Oh mince! Les châteaux de sable s'effondrent si facilement. Attends une minute. Je crois que Buster a une idée. Buster et Digger rassemblent les formes. Je me demande ce qu'ils vont faire avec. Ils les entassent. Je crois qu'ils construisent une tour. Encore un morceau pour aller sur le haut. C'est ça, Buster. Doucement, doucement. Voilà, parfait. Waouh, Buster et Digger ont fait une tour avec les formes. Quelle bonne idée. Maintenant, ils peuvent reconstruire leur château de sable. Et regarde, Sandy peut se percher quelque part sans que tout s'effondre. Beau travail, Buster. Au revoir, Buster. Au revoir, Digger. Je crois que Buster dort à nouveau. Où es-tu, Buster? Regarde toutes les balles géantes colorées et tous les jouets autour de toi. Cet endroit a l'air parfait pour une nouvelle aventure. Voyons voir ce que Buster peut trouver d'autre. Waouh! Regarde ce nounours! Regarde comme il est gros! Il a l'air tout doux et câlin. Ah, c'est ça, Buster, fais-lui un gentil câlin. Oh non, Buster, quel est ce bruit? C'est une pince géante. Je crois que Buster est dans une machine à pince géante. Attention, elles vont t'attraper! Oh non! Ouf, Buster, c'était juste un mauvais rêve. Regarde, c'est Scout. On dirait que Buster est encore un peu secoué. Mais tu n'as plus besoin de t'inquiéter, Buster. Regarde, Scout a quelque chose à te montrer. Je me demande ce que c'est. Oh non, c'est une machine à pinces. Buster a l'air effrayé. Scout n'en a pas peur. Peut-être que c'est rigolo. Ne t'inquiète pas, Buster. Scout est avec toi. Regarde, Buster, c'est ce nounours. Pourquoi n'essaies-tu pas de le gagner? Allez, Buster, sois courageux. Tu peux le faire. Ok, Buster, c'est l'heure d'attraper ce nounours. Prends ton temps. Ça a l'air bien. Ok. Et voilà. Tu l'as attrapé? Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le nounours. C'est un petit bus jaune. Ce jouet te ressemble comme deux gouttes d'eau, Buster. Cela fait bien rire, Buster et Scout. Buster a maintenant surmonté sa peur des machines à pinces. Hey, salut, Buster. Oh, waouh, regarde ça. Tu es dans le Far West. Et regarde un peu ton chapeau de cow-boy. Ça doit être le shérif avec sa brillante étoile dorée. Oh, regarde, un lasso. Super, Buster, maintenant tu es un vrai cow-boy. Voilà Terry. Tape ton chapeau, cow-boy, et dis bonjour. On dirait que Terry n'est pas très impressionné. Attends, c'est Bandy le bus? Et qu'est-ce qu'il a sur son dos? Un sac? Je crois qu'il a cambriolé le magasin de bonbons. Comme il est méchant! Tu dois l'arrêter, Buster. Vite, Buster, il s'enfuit. Rattrape-le. Réveille-toi, shérif, il y a un voleur qui s'échappe. Il file à côté des rails de train. Plus vite, Buster. Tu ne dois pas laisser Bandy s'échapper. Waouh, Bandy a sauté devant Sucky le train. Attends que le train soit passé et... Où est-il allé? Oh non, il va de l'autre côté. Ça, c'était malin.
À sa poursuite, Buster. Bandit essaye de semer Buster dans le champ de cactus. Attention, Buster, les cactus piquent beaucoup. Tu l'as presque rattrapé. Attention! Tu vas bien, Buster? Oh non, le cactus a troué ta roue. Et Bandit court toujours. Oh, tu ne l'attraperas jamais avec une roue crevée. Attends. Mais bien sûr, le lasso. Utilise-le, Buster. 1, 2, 3, go! Super, tu l'as fait. Tu as attrapé Bandit. Et voilà, Shérif Otis. Je suis sûre qu'il est très reconnaissant. Et voilà Bandit à sa place en prison. Waouh, tu as un badge aussi, Shérif Buster. Quel rêve vraiment chouette c'était. Quelle belle expédition, Buster. Bonjour, Buster. On dirait que tu t'amuses bien à sauter dans les flaques de boue. Splash, splash, splash. Tu te mets de la boue partout. Et lui, qui est-ce? C'est tes rétracteurs. Il fait un peu plus attention que Buster. Buster s'amuse énormément à foncer à travers toutes ces flaques. Oh non, il se dirige tout droit sur tes rétracteurs. Ouf, c'était pas loin. Fais attention, Buster. Les flaques sont très glissantes. Oh mince, tes rétracteurs n'a pas l'air content de Buster. Oui. Il repart. Regarde où tu vas cette fois, Buster. Attention! Oh non! Buster est coincé! Sacré Buster! Que va-t-il faire désormais? Je t'avais dit de faire attention. Le soleil se couche et la nuit tombe. J'espère que ça ira pour Buster. Regardez tout le monde! C'est Terry Tracteur! Il vient pour le sauver! Cependant, Terry n'a pas l'air ravi de le faire. S'il te plaît, Terry, aide Buster. Il a juste besoin qu'on le pousse. Peut-il le faire? 1, 2... Et voilà! Hourra! Merci, Terry. Oh, Buster. Heureusement que Terry Tracteur était là pour te sauver. Au revoir, Terry. Au revoir, Buster. Voilà Buster le bus. Je me demande ce qu'il va faire aujourd'hui. Qu'est-ce que ceci? Regarde ce panneau de publicité, Buster. Ses pneus sont brillants et neufs. Peut-être est-il temps de changer tes pneus, Buster. En route. Oh, regarde, c'est Jessie la Jeep. Elle a l'air d'avoir du mal à monter la colline. Voilà Buster. Pauvre Jessie, je crois qu'elle a besoin de l'aide de Buster. Ses pneus n'ont pas l'air de bien accrocher la route. Tu y es presque, Jessie. Continue d'essayer. Oh Buster, je sais que tu veux aller chercher tes nouveaux pneus, mais ton ami Jessie a besoin d'aide. Oh non! Jessie glisse en arrière! Ah! Bravo Buster, tu es revenu pour aider Jessie. C'est si gentil de ta part. Oh non! On dirait que quelque chose ne va pas avec la remorque de Jessie. On dirait que le poids de la remorque la pousse trop vite vers le bas de la colline. Elle a perdu le contrôle, Buster! Vite Buster, tu dois l'aider! Ça va aller Jessie, Buster n'est pas loin derrière. Bon travail, Buster. Garde le contrôle de la remorque pour qu'elle ne se retourne pas. Oh non, le garage est droit devant. Elle ne va pas avoir le temps de freiner. Très bonne idée, Buster. Utilise tes freins pour ralentir Jessie. C'était moins une. Bien joué, Buster. Et regarde, ce sont les magnifiques pneus que tu voulais venir chercher. Oh, pauvre Jessie, ces pneus sont tout abîmés. Buster, je crois que quelqu'un en a plus besoin que toi. Oui, bravo, Buster. Jessie a vraiment besoin de nouveaux pneus. Ils sont très beaux, Jessie. Et tu n'auras plus de problème pour tirer ta remorque désormais. Et conduire en côte sera facile. Au revoir, Buster. Au revoir, Jessie.